Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis médiatrice culturelle. Je suis dans les jardins de la mairie de Bordeaux, à côté d'un célèbre musée, le Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite visite. J'ai choisi un thème que vous allez sûrement adorer, les animaux dans l'art. Vous allez découvrir trois peintures et une sculpture qui ont été créées voici bien longtemps. Vous êtes prêts à suivre cette visite ? Allez, suivez-moi. Voici le lion mort de Franz Snyders. Au premier plan de ce tableau, un grand lion est couché sur l'herbe d'un champ, devant un petit bois. Sa gueule est ouverte et sa langue pend sur le sol. C'est le monde à l'envers. Des lièvres s'attaquent à un lion. Le plus courageux des lièvres est assis sur sa patte et il lui grignote l'oreille. Un autre lièvre plus loin montre des dents très pointues. Enfin, un autre s'attaque à sa patte. Pourtant, les lièvres, comme leurs cousins les lapins, ne mangent que de l'herbe normalement. Les animaux vérifient si le roi de la jungle est bien mort, ce qui est le cas. Ce tableau raconte une histoire imaginaire. Cela ne s'est pas passé en vrai. D'ailleurs, les lions vivent dans la jungle et non dans la campagne. Cela s'appelle une fable. Une fable est une histoire ayant souvent pour héros des animaux chargés de représenter les hommes. Ce lion mort est là pour rappeler que même les plus forts, comme le lion, peuvent un jour se retrouver faibles et dominés par de plus petits animaux qu'eux. Nous sommes dans la campagne d'un pays où il pleut souvent, les Flandres. Les Flandres est l'ancien nom de la Belgique. Le ciel est peint en gris avec des nuages et des oiseaux au loin. On peut y voir en arrière-plan le clocher d'une église, et aussi un moulin. Saurais-tu compter combien de lapins sont présents dans ce tableau ? 9, tu crois ? Comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, en voici d'autres cachés dans les bois. Et d'autres encore courant dans la prairie. On peut en compter au moins 14. Maintenant, quittons ce ciel gris et envolons-nous vers un beau ciel bleu. L'enlèvement de Ganymède de Pierre-Paul Rubens. Voici apparaître sous tes yeux un aigle royal. Ses ailes déployées atteignent presque le bord du tableau. Cet aigle porte sur son aile un jeune homme. C'est un peu étrange. À ton avis, un aigle est-il assez fort pour porter un homme adulte? Et puis, cet aigle est beaucoup trop grand par rapport à la taille d'un humain. Tu l'as peut-être deviné, il s'agit d'un mythe. Ce tableau raconte une histoire avec des personnages qui n'ont sans doute jamais existé. L'aigle ne serait pas un animal, mais un dieu. Un être avec des pouvoirs magiques. Connais-tu un dieu qui peut se transformer? Ce dieu, c'est Zeus, ou Jupiter. Le chef des dieux grecs et romains. Il est amoureux de Ganymède, un jeune et joli prince. Pour ne pas se faire surprendre par sa femme Héra, Zeus se transforme en aigle et enlève Ganymède pour l'emmener dans le mont Olympe. Le mont Olympe, c'est l'endroit où vivent les dieux, dans les nuages. Regarde, ils sont à table en train de boire et de manger. Dans l'Olympe, Ganymède devient leur serviteur. On l'appelle les chansons des dieux. Les deux déesses en haut à droite lui tendent une coupe en or. Ganymède l'utilise pour servir à boire aux dieux.
Mais quelque chose t'intrigue ? Ce joli prince, Ganymède, est presque tout nu. Mais pourquoi ? Quand un artiste peint un corps nu, c'est un travail difficile. Il faut bien connaître l'anatomie, c'est-à-dire tous les détails du corps, mais aussi les proportions, c'est-à-dire la bonne taille de chaque membre. Si tu fais un bras trop court ou une jambe trop longue, ta peinture ne sera pas réussie. Pierre-Paul Rubens a peint ce tableau il y a très longtemps, mais ses couleurs sont très bien conservées. Pierre-Paul adore peindre avec des couleurs très vives. Regarde le rouge du tissu froissé qui est placé entre les jambes du jeune homme. Et le bleu du ciel. Et le jaune des serres de l'aigle. Ne trouves-tu pas ces couleurs lumineuses ? Maintenant, quittons le mont Olympe pour atterrir sur Terre. Rosa Bonheur dans son atelier par Georges Achille Fould. Rosa Bonheur est une artiste peintre née à Bordeaux. Rosa a longtemps vécu dans un château près de Paris. Elle vivait entourée d'animaux, comme Fatma, sa lionne. Ce que tu vois est un portrait de Rosa dans son atelier. Rosa est peinte en pied, c'est-à-dire que tu peux la voir de la tête jusqu'aux pieds. Elle porte sa blouse et tient ses outils de peinture. Peux-tu les citer ? Elle tient des grands pinceaux et une palette. Son atelier est un peu en désordre. Il y a des animaux empaillés partout. Ici un cerf. Ici une chouette. Et des tableaux par terre. Regarde à gauche, tu peux apercevoir un grand tableau avec des chevaux que Rosa a peint pendant très longtemps. Elle n'a jamais pu le terminer. Ce tableau appartient aussi au musée. Le voici en entier. Mais il est immense! Il faut au moins 12 grands pas pour en arriver au bout. Il est également très haut. Rosa a représenté ici 9 chevaux, blancs, marron clair ou foncés. Comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont extrêmement bien peints, ces chevaux. Rosa a passé des heures à observer de vrais chevaux pour ensuite les peindre de la manière la plus réaliste possible. On peut même voir la peur dans leurs yeux. Tu ne trouves pas ? L'homme au centre du tableau fait claquer son fouet. Mais pas de panique, il ne veut pas les fouetter. Il veut juste leur faire peur. Ce claquement excite les chevaux qui se mettent à galoper en soulevant de la poussière. Leurs sabots écrasent les tiges de blé qui sont au sol. Les hommes pourront facilement ramasser ce blé pour le moudre au moulin, puis en faire de la farine et du pain. C'est l'été. Rosa a peint un très grand ciel bleu avec quelques nuages. En bas du tableau, elle a écrit son nom avec un pinceau. Vois-tu où c'est ? C'est sa signature. Rosa a aussi un frère, Isidore Jules Bonheur. Mais lui préfère le métier de sculpteur.
Mais que se passe-t-il? Vite, allons voir. Vache défendant son veau contre un loup, Isidore Jules Bonheur. Regarde la scène, tu peux voir trois animaux. Une vache, un veau et un loup. La vache protège son veau contre l'attaque d'un loup affamé. On s'y croirait presque, il ne leur manque que le son. La vache a enfoncé sa corne dans le ventre du loup. Le loup est couché par terre et semble crier de douleur. Regarde sa gueule ouverte. Le veau s'est placé sous le ventre de sa mère pour qu'elle le protège. La peur se lit dans ses yeux. Les animaux sont extrêmement bien faits, même dans leurs émotions. La colère pour la vache, la peur pour le veau. La douleur pour le loup. Pour que ces animaux tiennent sur leurs pattes sans tomber, Isidore Jules a fabriqué un socle ovale. Il a même pensé à y sculpter de l'herbe. Le sculpteur sait faire tous les détails, comme par exemple le pelage du loup ou les côtes de la vache. Sais-tu comment on fait une sculpture? Les matières dures, comme la pierre, sont sculptées avec un marteau et un burin. Les matières molles, comme l'argile, sont modelées avec les mains. Pour réaliser cette sculpture, Isidore a utilisé du bronze. C'est un mélange de métaux. Le métal le plus connu est le fer. Le bronze est chauffé très fort pour qu'il devienne mou, presque liquide, puis il est coulé dans un moule. Un moule? Oui, un moule comme pour faire un gâteau. Une fois refroidi et dur, le moule est brisé pour faire apparaître la sculpture. Cette œuvre a été sculptée par Isidore Jules Bonheur. Isidore est le frère de Rosa Bonheur, la femme aux chevaux. Dans leur famille, tout le monde est artiste et spécialisé dans les animaux. À leur époque, les gens riches adorent mettre des sculptures d'animaux chez eux. Ils les posent sur des tables ou sur les rebords des cheminées.